Oui, bonjour à tous. J'aimerais aujourd'hui vous demander de liker, de partager et également de commenter toutes les vidéos. Alors, les autorités disent avoir abattu la majorité des drones qui ont attaqué Odessa et sa région. Comme d'habitude, je pense que c'était 12 d'abattus sur 17 qui avaient été lancés sur Odessa. À la dernière nouvelle, selon les réseaux sociaux à Odessa, il y aurait d'autres drones au-dessus de la ville à l'instant où je vous parle. Des drones de surveillance, estiment les habitants qui essayent évidemment de comprendre qu'est-ce que c'est exactement. Les autorités affirment que plusieurs frappes ont touché un objet d'infrastructure appartenant à l'État, sans toutefois préciser exactement si c'était le port, sur le port ou un autre objet d'infrastructure. Ça, c'est la pratique en Ukraine. Ils ne donnent pas de détails sur qu'est-ce qui a été touché exactement, mais ils admettent qu'il y a des dégâts. Un mot également. Pas de blessés, selon les autorités. Gulliver, un mot également de la Crimée, Crimée annexée en 2014 par les Russes. D'après le Washington Post, la Russie veut y construire plusieurs kilomètres de tranchées. Est-ce qu'il y a des réactions ou même des confirmations depuis chez vous ? Il y a des images satellites qui ont été publiées montrant les tranchées qui ont déjà été creusées. Cela ne date pas d'hier. En réalité, depuis le début de cette invasion à grande échelle, la Russie renforce ses défenses en Crimée et selon plusieurs sources, ils le font de plus en plus ces dernières semaines. Les Ukrainiens estiment que la Russie considère comme réellement possible une attaque de la part de l'Ukraine sur la Crimée pour reprendre le contrôle de la péninsule que la Russie a annexée illégalement en 2014. Et c'est l'intention affichée de l'Ukraine. Volodymyr Zelensky, le président, ne cesse de le répéter. Il n'est pas le seul. Oleksiy Danilov, le chef du Conseil de sécurité nationale de l'Ukraine, a récemment publié son plan pour ce qu'il faudra faire avec la Crimée après la reprise de cette péninsule par l'Ukraine. Et il parle même d'expulser tous les Russes. Et ils sont, je pense, environ 400 000 qui ont élu domicile dans la péninsule depuis l'annexion, donc depuis 2014. C'est une politique assez radicale, mais les Ukrainiens estiment qu'ils ont absolument en droit de le faire puisque c'est leur territoire qui a été annexé illégalement. Il y a vraiment, vraiment un très, très grand différent entre les Ukrainiens ici qui pensent vraiment qu'ils sont capables de reprendre la péninsule et leurs alliés. Hier, Mike Pompeo, l'ex-secrétaire d'État américain, était à Kiev pour afficher son soutien à l'Ukraine. Vraiment, il était là pour montrer qu'il était le républicain qui soutient le plus l'Ukraine aux États-Unis. Et même lui n'a pas osé répondre à des questions sur la possibilité de reprendre la Crimée par la force. Il a dit cela va être très difficile, etc. Clairement, les Américains et les autres alliés de l'Ukraine hésitent beaucoup à l'idée de soutenir l'Ukraine dans cette tentative de reprendre la péninsule, peut-être justement à cause de ces défenses que la Russie a mis en place, qui leur fait penser que ce sera très, très, très difficile d'un point de vue militaire. Si on regarde l'accord qui avait été négocié, mais qui n'a pas ensuite été suivi des faits, hein, qui a eu lieu 2 mois après le début de la guerre, qui a été fait par les négociateurs ukrainiens Zelensky et les négociateurs russes, près d'Ankara, hein, sur un petit port à côté d'Istanbul. C'est très intéressant parce qu'ils s'étaient mis d'accord. Bon, puis après, ils sont revenus. Zelensky, avec la pression probablement américaine, a dit « je ne signe pas ». Mais qu'est-ce qu'ils avaient dit ? Ils avaient dit « la Crimée, ça c'est russe ». Les provinces russophones du sud, les provinces du Donetsk, du Lugansk, enfin voilà, la zone, cette zone-là, elle reste ukrainienne. Elle reste ukrainienne. Mais attention, russophone, hein. Donc pas question, donc avec un statut autonomie. Hein. C'est dans l'Ukraine, c'est une zone autonomiste, mais dans l'Ukraine. Et la contrepartie, c'était pas l'OTAN. En disant, le pays reste neutre. La Crimée, on n'en parle pas, ils la garderont quoi qu'il arrive. Ils ont la mer Noire, ils contrôlent les ports de la mer Noire, ça leur va très bien. Il reste le problème d'Odessa. Le vrai problème là-bas maintenant, c'est Odessa. Parce que jamais les Russes ne pourront accepter d'avoir une base américaine ou une base OTAN, si vous voulez, à Odessa. C'est même pas la peine de l'envisager. C'est prévu, ça ?
La base américaine? C'est évident que l'OTAN elle s'installera à Odessa. Vous pensez, à s'installer à 300 km, même pas 300 km de Sébastopol, qui est la plus grande base, une des deux plus grandes bases russes. Si vous voulez, c'est comme si les Chinois s'installaient à Bastia, hein, ou les Chinois ou les Russes, hein, s'installaient de nouveau à Cuba. Vous avez vu ce qui s'est passé à Cuba à ce moment-là. C'est les mêmes distances, hein. Et puis, il y a une guerre d'influence. Et dans laquelle on joue les uns contre les autres. On l'a vu à l'ONU, quand les Occidentaux, donc l'Europe et les États-Unis ont dit il faut voter contre la Russie, et qu'on a vu que la majeure partie en population des pays du monde a dit non, nous on vote pas. Ça veut pas dire qu'ils sont pour la guerre. Ça veut dire on ne vote pas avec vous. Ce qui est tout à fait différent. On est dans des opérations d'influence. Et de, où chacun dit, moi voilà ma position, il faut pas aller plus loin. La Russie forme son voisin biélorusse à l'utilisation d'armes nucléaires tactiques. Des militaires biélorusses ont commencé leur formation dans un centre d'entraînement des forces armées russes. Un système de missiles opérationnels tactiques Iskander-M a été livré aux forces armées biélorusses. Il permet d'utiliser des missiles ordinaires mais également nucléaires. Les armements nucléaires dits tactiques peuvent provoquer d'immenses dégâts, mais leur rayon de destruction est plus limité que celui d'armes nucléaires stratégiques. Le 25 mars, le président russe Vladimir Poutine avait annoncé que Moscou allait déployer des armes nucléaires tactiques chez son voisin biélorusse. 10 avions ont déjà été équipés au Bélarus pour l'utilisation de telles armes nucléaires tactiques, et un entrepôt spécial sera terminé d'ici au 1er juillet. Des responsables russes ont émis à plusieurs reprises des menaces à peine voilées de se servir de l'arme nucléaire en Ukraine en cas d'escalade significative du conflit. Le Kremlin a également promis mardi de prendre des contre-mesures après l'adhésion de la Finlande à l'OTAN, qualifiant l'élargissement d'atteinte à la sécurité de la Russie. Tout cela crée des risques d'une expansion importante du conflit, mais cela n'affectera pas le résultat de l'opération spéciale. Dans ces conditions, nous prenons des contre-mesures défendant la sécurité de l'État de l'Union. Après 3 décennies de non-alignement militaire, Helsinki rejoint ce mardi l'Alliance Atlantique. Un tournant stratégique provoqué par l'offensive de Moscou contre l'Ukraine. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a salué une journée historique. Bon, pourquoi la guerre restera régionale? C'est parce que personne n'a intérêt aujourd'hui à aller trop loin, parce que il y a, dans ce qui se passe aujourd'hui, il y a un certain nombre de problèmes. Le premier d'abord, c'est, vous avez pu voir quand même que, dans cette affaire-là, on voit que les uns et les autres ont des avantages, je dirais, concurrentiels, militaires. Les Russes, par exemple, ont des armes hypersoniques, on ne sait pas arrêter. Bon. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, ils les utilisent, ils les ont mis au... En plus, ils les ont perfectionnés, ils les testent sur le champ de bataille. Mais ils ont vu qu'effectivement, personne n'était foutu de les arrêter. Bon, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils peuvent aussi les tirer sur un porte-avions américain, et ça fait 6000 ou 7000 morts. Vous croyez que les Américains sont prêts? Les Américains, la population américaine, les gens du Middle West qui sont contre la guerre en Ukraine, hein, les républicains qui sont contre la guerre en Ukraine, vous voyez qu'ils accepteraient 6 ou 7 000 morts? Quand on voit que pour les 1 000 morts ou les 1 500 morts de la, ce qui s'est passé pour le 11 septembre, vous croyez qu'ils accepteraient 6 ou 7 000 morts? Bien sûr que non. Et le président le sait très bien. Donc il sait qu'il y a une limite à ne pas franchir. On est dans une accélération folle du cours de l'histoire et des équilibres du monde. Moi, j'appelle ça la bascule du monde, mais là, on est déjà dans le... On a basculé, en fait. On a déjà basculé. On a basculé, mais on ne veut pas s'en rendre compte. C'est pour ça qu'on s'enferme dans une espèce de bulle, et cette guerre est un bon exemple. On est dans une bulle de propagande comme je n'en ai jamais vue, moi, depuis que je travaille. Et on est, effectivement, le monde est en train de changer. Il y a une révolution dans les relations internationales. Mais quoi, alors, concrètement, il change comment? Concrètement, l'Empire contre-attaque, ça c'est sûr, parce qu'il est affaibli, parce qu'il est défié. L'Empire, on parle de l'Empire américain. L'Empire occidental, autour de l'Amérique comme tête, si vous voulez. Et face à cela, c'est pas seulement la Chine, mais c'est la Chine, la Russie, l'Iran, la Turquie, l'Inde, une partie du Moyen-Orient, une partie de l'Afrique, tout ça se coagule, et se coagule pour dire stop. On n'est plus d'accord. Bien sûr, vous pouvez être, exister, mais vous ne faites plus la loi.
Il y a d'autres modèles de puissance, il y a d'autres modèles d'existence, il y a d'autres corps de valeurs qui nous tiennent à cœur, etc., etc., etc. Alors des changements comme nul n'en a vu depuis 100 ans et c'est nous qui les pilotons. Et évidemment, Vladimir Poutine dit « Vous avez raison, je partage votre avis ». C'est ça la force de l'alliance russo-chinoise. Tout à fait. Et à un autre moment, un petit peu plus tôt, il avait dit que notre relation dépasse largement le cadre bilatéral et elle est absolument vitale pour le futur ordre mondial. Donc c'est un petit peu la même idée qu'il a repris différemment. Et en fait, cela répond à un discours de longue date qui a été tout de suite rendu public et très connu côté russe d'une manière un peu plus discrète côté chinois. Mais aujourd'hui, c'est affirmé haut et fort. L'ordre mondial post-guerre froide ne nous convient plus, nous disent ces deux puissances. C'est un ordre mondial dans lequel les États-Unis et l'Occident, d'une manière générale, ont la place prépondérante. C'est eux qui définissent les règles. Or, ce monde n'est pas démocratique. C'est très intéressant comment il nous retourne l'argument démocratique au niveau international. À l'échelle planétaire, ça n'est pas démocratique parce qu'on n'a pas notre mot à dire. Absolument, ce n'est pas démocratique. Donc, on aimerait créer le monde multipolaire. Pour les Russes, c'est le discours qui date encore de Yevgeny Primakov, l'ancien Premier ministre. C'est encore on est dans les années 90. Donc, il y a une véritable continuité russe là-dessus. Je ne crois pas, mais on va essayer d'expliquer un petit peu la façon dont le marché du pétrole est en train de se fragmenter. Jusque, donc, mettons, il y a à peu près un an, le marché du pétrole était un marché en dollars et qui était un marché mondial. Donc, vous aviez des indices, le WTI au Texas, le Brent en Angleterre, puis l'indice du prix du gaz, je crois que c'était à Rotterdam, je crois. Et donc, c'était des prix mondiaux. Et puis, ce qui est en train de se passer, c'est que le marché du pétrole, du gaz, sont en train de se fragmenter. Par exemple, quand vous prenez dans les statistiques indiennes le prix du pétrole qu'ils importent, et en particulier de Russie, vous rendez compte d'abord qu'il est plus en dollars, il est en roupies, je crois, et ensuite qu'il est 20% moins cher que le prix mondial. Donc, cette façon d'exclure le monde russe, qui était quand même le premier ou le deuxième producteur de pétrole, fait que vous avez maintenant la transparence du marché du pétrole, les marchés ne sont plus des marchés mondiaux. C'est-à-dire que le marché du gaz, le marché du Brent, sont maintenant des marchés locaux, des marchés européens. Bon. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Donc ça veut dire que ça devient très difficile pour nous, par exemple dans ma principale société, c'est on prenait le prix du pétrole comme un prix mondial qui s'appliquait à tout le monde. Mais ça veut dire que quelque part, compte tenu de ce qui se passe, des pays comme l'Inde, la Chine, une grosse partie de l'Asie, vont avoir accès à de l'énergie qui sera quelque part 25% moins chère que nous, au prix d'aujourd'hui, quoi. Et ça veut dire que déjà on n'était pas très compétitif, mais alors là, ça, on prend une perte de compétitivité encore ici. Donc, on travaille ici là-dessus. Ça devient difficile parce que c'est aussi quelque chose que je crois avoir déjà dit ici, c'est que quand il n'y avait qu'un seul système de paiement, SWIFT, vous aviez toutes les informations dont vous avez besoin, ça mettait du temps à sortir, mais enfin ça sortait toujours. Mais si vous avez deux ou trois systèmes de paiement qui se mettent en place, il y a des tas de pays qui vont dire moi je ne vois pas pourquoi je donnerai mes informations aux États-Unis ou à la communauté internationale. Donc, à l'arrière de tout cela, parce qu'effectivement, la domination impériale et l'hégémonie américaine, elle s'appuie sur cette... sur le dollar sur comme monnaie mondiale unique. Comme monnaie mondiale et d'échange, voilà. Donc, d'accord. La dédollarisation, elle est en cours. On est déjà à 60-40. Donc, déjà, la part des échanges mondiaux est en train de faillir. Alors que c'était 90-10, il n'y a pas si longtemps. Ouais. Et on se rend compte que rien ne marche plus. C'est-à-dire que l'Occident ne va pas y arriver. C'est pour ça que moi je dis qu'il faut. Mais c'est sûr que ça, que l'Occident. Alors, je voudrais savoir. L'Occident ne va pas arriver à renverser ce qui est en train de se produire. Soit il choisit de coexister, et c'est ce qu'il faut faire.
clairement. Et les Européens et les puissances européennes, évidemment, devraient comprendre ça. Elles ont leur Asie face à elles. C'est pas rien, c'est pas de la petite bière. Donc, soit on fait semblant, on est aveugle et on se dit, mon Dieu, pourvu que ça passe, mais ça ne passera pas. Soit on décide de voir les choses un peu plus en grand et de manière plus respectable, de manière en respectant justement cette altérité qui de toute façon est là. Oui, alors l'or est un enjeu et la manière dont ces monnaies vont s'adosser ou pas, alors la manière dont ces pays sont en train d'accumuler des réserves d'or considérables pour se désengager justement de leur dépendance au dollar. Et cette guerre-là, qu'on a soi-disant vendue comme une guerre de la liberté, de la démocratie, qui va ressouder l'OTAN, l'ONU, là, en fait, elle accélère ce mouvement. C'est un boomerang terrible. Sauf qu'on ne le dit pas. En fait, pour moi, le fait majeur, c'est l'affaiblissement de l'Occident qui est devenu fou, plus que l'émergence des autres pays. Parce que franchement, le bilan d'Erdogan, c'est pas très bon, la Turquie va pas très bien. L'Iran. Mais alors attendez, elle vous avez dit. Très bien, mais elle a une capacité de nuisance sur à peu près tout. Parce que nous sommes devenus faibles. Tous les sujets qui est très fort. L'offensive hivernale russe aura eu raison de Bakhmout. C'est en tout cas ce qu'affirme le groupe armé privé russe Wagner qui revendique la prise de la ville. Une information qui n'est pas confirmée par les autorités officielles ukrainiennes. Le scénario semblait écrit avec un hiver en faveur de la Russie et désormais il n'est plus question que d'un printemps ukrainien. À la faveur des livraisons d'armes occidentales, Kiev entend en effet regagner du terrain avec l'arrivée des beaux jours. Dans l'observation du conflit en cours demeurent de nombreuses inconnues, notamment une majeure. Que va faire la Russie? Quelles sont les prétentions territoriales de Moscou? Le début du conflit laissait envisager une prise des républiques du Donbass et un maintien en Crimée, mais l'escalade entre les deux camps laisse penser que la Russie, comme l'Occident, ne se satisferont pas de cette nouvelle carte. Les bombardements visant le port d'Odessa par des drones russes lundi, occasionnant des dégâts importants, relancent l'idée selon laquelle Moscou envisagerait tout bonnement de couper l'accès à la mer Noire. Bombarder à de nombreuses reprises, Odessa pourrait être une cible pour la Russie et demeure essentielle pour l'Ukraine. Toute la complexité du conflit en cours réside dans les intentions des belligérants et dans leur détermination. Jusqu'où veut aller Moscou? Jusqu'où veut aller Washington? La Russie a perdu de nombreux soldats durant cette guerre, mais dispose encore de forces vives et entend garantir le moral des troupes et le soutien de la population avec de telles mesures. Côté ukrainien, les pertes sont aussi très importantes et il est difficile de savoir quelle part de combattants ukrainiens et quelle part de soldats étrangers sont engagés sur le terrain de guerre aujourd'hui. En proie à des difficultés de recrutement, Kiev compte plus que jamais sur l'aide de ses soutiens. D'un côté comme de l'autre, la ressource humaine est primordiale tant numériquement que moralement. À ces ressources humaines s'ajoute la question des ressources matérielles, mais aussi financières. Pierre angulaire des conflits armés, elles sont ici primordiales et s'inscrivent dans un jeu international vaste. Ainsi, côté or noir, le prix du pétrole s'envole en ce début de semaine, après l'annonce surprise de plusieurs pays exportateurs de réduire leur production en mai. Un mouvement opéré sous prétexte de stabiliser le marché. La Russie fait partie de ces États qui veulent ralentir la production mondiale. Et pour cause, c'est une arme pour un ensemble d'exportateurs dont le PIB repose essentiellement sur les matières premières. Une arme dont Moscou n'entend pas se priver. Avec la Russie, on retrouve d'autres exportateurs parmi lesquels l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, le Koweït ou encore Oman, l'Irak et l'Algérie. Et la suite de Paris Direct avec notre grand format du jour qui nous conduit cette fois à Taïwan, un pays qui redoute de subir le même sort que l'Ukraine. Comme Kiev, Taipei est revendiqué par son puissant voisin chinois. Alors dès le début de l'invasion russe, Taïwan n'a pas hésité à choisir son camp. L'archipel démocratique soutient l'Ukraine avec ferveur. Le gouvernement et la société civile multiplient les initiatives en ce sens. Plusieurs soldats taïwanais sont même partis combattre en Ukraine. Voyez tout de suite ce reportage. Reportage à Taipei de Lucie Barbazange et Adrien Simor. Il y a quelques mois, sept anciens militaires tiraient à balles réelles sur le front ukrainien. C'était le 26 février. J'ai entendu Zelensky qui appelait les volontaires du monde entier et je me suis décidé à ce moment-là. Comme une dizaine de soldats taïwanais, Shu Yuan s'envole à 8000 km de chez lui, avec ce sac. Pendant 7 mois, il combat en Ukraine. Je crois qu'on ne peut pas laisser un pays autoritaire attaquer un plus petit pays.
Je me suis senti obligé d'aller aider celui qui se fait opprimer. En fait, si on aide les Ukrainiens, on aide indirectement Taïwan. Taïwan, 24 millions d'habitants, est aussi menacée d'invasion par son puissant voisin, la Chine. En août dernier, Pékin tire pour la première fois des missiles au-dessus de l'archipel. Shu Yuan décide alors de rentrer. Ce drapeau, si jamais tu meurs, alors on le met sur ton cercueil. Si tu n'es pas mort, alors on te l'offre. Parmi les autres objets qu'il rapporte, ce sac d'un soldat russe trouvé sur le champ de bataille. Ou encore la plaque de son gilet pare-balles. Dessus, Taïwan soutient l'Ukraine. C'est aussi le nom de cette association. À Taipei, place de la Liberté, elle commémore un an de guerre en Ukraine. Parmi les élus invités, cette députée, membre de la coalition au pouvoir, remerciée dès son arrivée par cet Ukrainien. Nous nous sommes sentis soutenus par le gouvernement, par les politiciens. Ça a fait toute la différence pour nous. Dès le début de la guerre, Taïwan se joint aux sanctions économiques internationales et interdit l'export vers la Russie de technologies de pointe et produits chimiques. On doit combattre la Russie et ne pas la rendre plus forte, car ce n'est pas une démocratie. Elle se fiche des droits humains. L'appui de l'État taïwanais, mais aussi le soutien d'un peuple à un autre. Ils sont très compatissants. Je suis vraiment touchée que les Taïwanais aident depuis le début de la guerre en envoyant du matériel. On les soutient car nous vivons une expérience comparable, un passé semblable, une histoire très compliquée où un pays voisin plus grand essaye d'ébranler la souveraineté de notre pays. Les Taïwanais ont donné plusieurs millions de dollars à cette cause. Plus de 700 tonnes de matériel humanitaire ont été acheminées en Ukraine. Pour Nasupo, militant pro-démocratie, les images de l'Ukraine sont un électrochoc. Il collecte et envoie aux Ukrainiens sacs de couchage et vêtements. Que ce soit pendant le mouvement des tournesols ou pendant les manifestations à Hong Kong, on a toujours eu ce rôle de soutien. On a une capacité d'organisation, de mobilisation. Donc c'est comme ça qu'on a pu initier cette campagne de donation. En échangeant avec les Ukrainiens, Nasupo apprend qu'ils ont besoin de drones. Il contacte alors son cousin, fabricant basé à Taipei. L'entrepreneur fait alors don de 10 appareils de reconnaissance. Avec ce drone, ils peuvent très rapidement voir ce qu'il y a autour d'eux. Il y a un mode thermique. On espère que comme ça, en Ukraine, des citoyens lambda pourront mieux protéger leur communauté. Coût total pour son entreprise, 50 000 dollars. J'espère que les Taïwanais prendront conscience de l'importance d'être unis, mais j'espère surtout montrer au monde notre détermination. L'Ukraine, une jeune démocratie envahie par son grand voisin. Les Taïwanais y sont d'autant plus sensibles alors que la menace est réelle sur leur propre sol. Eux estiment qu'il faut se préparer à une possible invasion. Depuis son retour d'Ukraine, Shu Yuan forme des Taïwanais à la défense territoriale civile. Tout ça, je l'ai appris en Ukraine. À Taïwan, tu ne peux pas l'apprendre. Il est possible que certains ennemis réussissent à débarquer à Taïwan. Dans ces cas-là, il faut qu'on soit capable de les arrêter. Techniques de surveillance, de reconnaissance, ces ateliers sont de plus en plus prisés par les Taïwanais. La liberté à Taïwan est très importante, le système démocratique donne à chacun des droits civiques. Mais le Parti communiste chinois ne te donne pas ses droits. C'est pour ça que je ne veux pas être gouverné par lui. Même s'il nous promet des avantages économiques, en réalité, il va juste nous opprimer. En janvier, le gouvernement taïwanais a triplé la durée du service militaire. Une mesure saluée par ces Taïwanais. Ils craignent que l'invasion de l'Ukraine ne présage rien de bon
pour leur propre pays. Il n'y a qu'une seule Chine dans le monde et Taïwan est une partie inaliénable de la Chine. Ainsi que la partie chinoise l'a à plusieurs reprises souligné, nous nous opposons fermement à toute forme d'interaction et contact officiel entre la partie américaine et les autorités de Taïwan. Le député américain doit respecter le principe d'une seule Chine et les trois communiqués conjoints Chine-États-Unis, s'abstenir d'envoyer de mauvais signaux aux forces indépendantistes taïwanaises et éviter de saper les relations Chine-États-Unis et la paix et la stabilité dans les droits de Taïwan. La Chine prendra des mesures résolues pour préserver sa souveraineté et son intégrité territoriale. Est-ce que quand Xi Jinping dit « nous pilotons », est-ce qu'il ne pense pas « je pilote » ? Bien sûr. La Chine n'a de toute façon que des relations asymétriques, si ce n'est avec les États-Unis. Mais cet objectif de désoccidentalisation du monde, elle est extrêmement ancienne. En fait, ça fait 20 ans que les chercheurs chinois, que des diplomates chinois le disent. Sauf qu'évidemment, personne ne s'y intéressait quand c'était en chinois et publié en Chine. Alors maintenant, c'est traduit en anglais, et puis surtout, les diplomates chinois le disent à l'étranger. Mais quand la Chine, pareil, parle de démocratisation des relations internationales, c'est en réalité la désoccidentalisation. C'est comme ça qu'il faut le comprendre. Et la Chine a multiplié ces dernières années, 2021, l'initiative pour le développement global, 2022, l'initiative pour la sécurité globale, 2023, l'initiative pour la civilisation globale, trois initiatives qui visent, qui sont évidemment sino-centrées, et qui visent à façonner la gouvernance globale au profit de la Chine et au détriment des Occidentaux. C'est-à-dire que I have been to China several times, and what always impressed me the most was a quick development in economic and social sphere, which made China a rising power that has to be taken seriously on a global scale. I believe that EU-China relations are good, but they could be better at the same time. We still have strategic partnership, but we also compete with each other because we are different political systems. Yet, even such competition could be fair and peaceful. EU-China cooperation is crucial for maintaining stability and security in the world on a global scale. We need cohabitation, not confrontation, and we need multilateral approach in multipolar world. That's something which could give us a common platform to face all current and future challenges. I welcome this development of various European leaders currently visiting China. It's a positive signal. I believe they could and they should also bring some concrete results. Wang Yi a rencontré l'ex-présidente philippine ainsi qu'une dizaine d'élèves qui ont rejoint Gloria Arroyo lors de sa visite en Chine. Monsieur Wang a déclaré que les deux parties devaient être de bons voisins, s'entraider et recourir au dialogue pour résoudre leurs différends. Il a ajouté qu'aucun des deux pays ne devait laisser les différends maritimes entraver la croissance globale des relations bilatérales. M. Wang a ajouté que la Chine et les Philippines ne devaient pas permettre l'ingérence d'un pays tiers, ni laisser une mentalité de guerre froide interrompre la stabilité et la paix régionale. Mme Arroyo a déclaré que la modernisation de la Chine était pleine d'espoir et que la voie à suivre pour construire une communauté avec un avenir partagé pour l'humanité était la bonne. Elle s'est engagée à continuer à promouvoir la croissance saine des relations bilatérales. Selon les analystes, cette rencontre s'inscrit dans le contexte de la visite du vice-ministre chinois des Affaires étrangères Sun Weidong à Manille le mois dernier. Il y a appelé les deux parties à travailler de concert pour résoudre la question de la mer de Chine méridionale. La réunion d'aujourd'hui indique que les relations entre la Chine et les Philippines ne se limitent pas à cette question. M. Wang a expliqué que les deux pays étaient de proches voisins de l'autre côté de la mer et que la garantie d'échanges bilatéraux solides et réguliers était une aspiration commune des deux peuples et qu'elle servait les intérêts partagés des deux pays. Le président français Emmanuel Macron va entamer sa troisième visite en Chine à partir du 5 avril. Comme d'habitude, il est accompagné par une délégation d'hommes d'affaires. Donc aujourd'hui, je vais faire un petit bilan de la présence des entreprises françaises en Chine.
Beaucoup d'étrangers l'ignorent, les Français aussi, mais la France est le premier grand pays occidental à avoir établi des relations diplomatiques avec la République populaire de Chine. Cette décision courageuse du général de Gaulle, prise en janvier 1964, est dans la mémoire collective des Chinois. Et elle revient de temps en temps dans la presse chinoise lorsqu'il s'agit d'une visite officielle comme celle-ci, d'une coopération stratégique ou d'un gros contrat. La réussite des entreprises françaises en Chine ne doit pas complètement à cette relation pionnière, mais on ne doit pas en ignorer les bienfaits. Savez-vous aussi que la Chine et la France entretiennent une coopération dans le domaine du nucléaire civil depuis une quarantaine d'années ? Le nucléaire civil, comme vous le savez, est un domaine très sensible qui nécessite une confiance mutuelle hors pair. Cette histoire date de 1978. Après sa rencontre avec le ministre français du commerce extérieur de l'époque, Jean-François Deniau, le dirigeant chinois qui est également architecte de la réforme et de l'ouverture, Deng Xiaoping, a annoncé l'introduction de deux centrales nucléaires de technologie française, d'où la première centrale nucléaire chinoise dans la baie de Daya, dans la province du Guangdong. C'est également le point de départ d'une longue coopération qui est déjà au-delà du nucléaire, comme ce qu'a confié Fabrice Fourcade, président d'EDF Chine, devant le micro de CGT1 français. Le partenariat au fil du temps s'est aussi élargi en matière de technologie. Donc au départ, c'était le nucléaire. Maintenant, il couvre à peu près l'ensemble des grandes filières énergétiques non carbonées, notamment en matière d'innovation. La Chine est maintenant devenue un des lieux importants de la planète en matière d'innovation dans le domaine énergétique qu'on évoque depuis tout à l'heure, dans le domaine du digital aussi. Donc en résumé, en 40 ans, le partenariat, il s'est très largement diversifié et maintenant on peut dire qu'il fonctionne dans les deux sens. Il n'y a pas de raison d'abandonner un terrain d'innovation aussi vaste et dynamique comme la Chine, et il n'y a pas non plus de raison d'abandonner un marché aussi grand et prometteur comme la Chine. C'est en tout cas l'avis de tous les entrepreneurs étrangers basés en Chine. Parmi eux, on trouve non seulement des grosses entreprises comme EDF, mais aussi les ETI comme CBE Group, spécialiste française des pièces en béton destinées aux tunnels. Elle est présente en Chine depuis 2009 et ce, en tant qu'entreprise à capitaux 100% étrangers, une rareté à l'époque. Et au bout d'une dizaine d'années d'exploitation, un tiers de ses activités sont basées en Chine. D'ailleurs, ce marché ne cesse de croître grâce à la construction fulgurante des métros. Vous savez, en Chine, des dizaines de villes envisagent de construire ou d'élargir leur réseau de métros. Les PME ne sont pas en reste. Déjà, grâce à l'e-commerce très développé en Chine, les marques françaises peuvent vendre leurs produits aux Chinois sans y installer de magasins ni engager de gros investissements. Sur Alibaba et JD.com, deux plateformes principales de l'e-commerce en Chine, on constate l'ouverture de boutiques françaises chaque mois. Vous ne le savez peut-être pas non plus, mais les Français exportent même les huîtres vers la Chine. Bien sûr, cela se fait par le canal traditionnel, c'est-à-dire du fournisseur français au distributeur chinois pour atterrir dans les assiettes des restaurants chinois haut de gamme. Car les huîtres françaises ont une réputation de luxe, de savoir-faire traditionnel, de qualité tant pour le goût que pour la condition sanitaire, selon le co-gérant des parcs Saint-Gerbert de la Bretagne, Stéphane Allôme, qui a commencé à conquérir le palais des Chinois il y a plus de 20 ans lors d'un fest-noz célébré à Beijing. Donc voyez, des entreprises françaises grandes comme petites peuvent réussir en Chine. Dès sa première visite en Chine il y a 5 ans, le président Emmanuel Macron a manifesté la volonté de rééquilibrer le commerce avec la Chine. Pourquoi pas, avec un partenaire comme la Chine, on peut mettre tout sur la table et en discuter. Cet après-midi, il rencontre le président Xi Jinping demain. Objectif, renouer le contact. Il n'y était pas allé depuis 2019. Éviter que Pékin, je cite, ne bascule dans le camp de la guerre en Ukraine. Et puis, œuvrer à la stabilité du détroit de Taïwan. C'est un sujet très sensible. Pékin considère Taipei comme faisant partie de ses affaires intérieures, ce qui a le don d'irriter Washington. Et si les tensions sont parfois très vives, eh bien la guerre du Pacifique, ce n'est pas pour tout de suite, William Molinier. Les Chinois ne sont pour le moment pas en capacité d'envahir Taïwan. Oui.
Oui, deux raisons principales selon une source du renseignement français. D'abord, la Chine attendra de tirer toutes les conséquences du conflit en Ukraine qu'elle considère aujourd'hui comme un laboratoire. Ensuite, tout simplement parce qu'elle n'est pas prête. Son ambition est de devenir en 2049 la première armée du monde. Elle a depuis trois décennies entamé sa modernisation, mais elle ne rivalise pas encore dans les airs avec les Américains. Or, un éventuel débarquement à Taïwan sera forcément appuyé par des chasseurs. Voilà pourquoi la priorité de Pékin est aujourd'hui portée sur les forces aériennes. Les Chinois savent que la topographie de l'île leur est défavorable, des plages vaseuses, des chaînes de montagnes à 3000 mètres d'altitude, une jungle épaisse. Les exercices militaires d'envergure se succèdent pour contourner à terme ces difficultés géographiques. Selon un militaire français connaisseur de la région, le scénario le plus probable serait celui d'un blocus autour de l'île, mais pas avant 2030, façon de tester la réaction américaine avant peut-être d'envisager une manœuvre militaire d'envergure autour des années 2050. William Moligné du service police. Un gigantesque incendie s'est déclaré ce mardi matin sur un marché aux vêtements populaires de Dhaka, la capitale du Bangladesh. Aucune victime n'est à signaler dans l'immédiat, selon les autorités, qui ignorent à ce stade les causes du feu. Le Bongo Bazar et trois autres petits marchés alentour ont tous été pratiquement détruits par les flammes. Les incendies touchant le secteur du commerce sont fréquents au Bangladesh en raison notamment de l'absence de mesures de sécurité adaptées. Il y a des motifs raisonnables de croire que des crimes contre l'humanité ont été commis en Libye. Et ça, c'est ce qu'affirme une mission d'enquête de l'ONU dans son dernier rapport présenté hier matin devant le Conseil des droits de l'homme de l'ONU à Genève. Le groupe d'experts y documente une série de violations des droits humains perpétrées dans le pays et parle, Pauline Le Troquier, d'une situation épouvantable. Depuis le début de leur mandat en 2020, les enquêteurs qui se sont rendus dans les villes de Tripoli et Benghazi ont collecté plus de 400 entretiens de témoins et victimes. Ils affirment que la situation s'est détériorée en trois ans, comme le détaille Mohamed Aoujar, responsable de la mission. La mission a documenté de nombreux cas de détention arbitraire, meurtres, tortures, viols, esclavage sexuel et disparitions forcées, confirmant leurs pratiques généralisées dans le pays. Pour la première fois, la mission ajoute donc à la liste des violations de droits humains l'esclavage sexuel, pratiqué notamment dans les centres de détention de migrants de Bani Walid et de Sabrata. La mission regrette que ces victimes de crimes odieux aient été, outre des hommes et des femmes, des enfants qui ont désespérément besoin de protection. Dans son rapport, les experts attribuent les faits aux gardes-côtes libyens et à des groupes armés, comme la ministre de l'autorité de soutien à la stabilité, la SSA, financée par le gouvernement de Tripoli. La mission dont le mandat s'achève aujourd'hui entend communiquer une liste d'auteurs possibles de ces crimes au haut commissaire des Nations Unies. La cuisine espagnole est de plus en plus populaire sur la table des Chinois. Les jambons et le vin rouge, par exemple, sont souvent présents dans les rayons des supermarchés chinois. Mais parmi ces produits, l'huile d'olive espagnole gagne en popularité depuis quelques années. Aujourd'hui, si vous allez dans un supermarché en Chine, vous constaterez que la plupart des huiles d'olive sont espagnoles. En fait, plus de 92% de l'huile d'olive importée par la Chine provient d'Espagne. L'Espagne est le plus grand producteur et exportateur d'huile d'olive au monde. La moitié de l'huile d'olive produite dans le monde provient d'Espagne. Cathy Ziang travaille dans le secteur de l'importation depuis plus de 10 ans et importe de l'huile d'olive espagnole depuis plusieurs années. Les consommateurs étant de plus en plus soucieux de leur santé, la demande d'huile d'olive extra vierge moyenne et haut de gamme augmente également. Cette année, nous allons renforcer la promotion de l'huile d'olive espagnole dans l'espoir de conquérir davantage de parts de marché. Cathy Ziang a affirmé que la pandémie de Covid-19 avait eu un certain impact sur les importations d'huile d'olive extra vierge en bouteille. Mais les chiffres de l'Organisation des huiles d'olive d'Espagne montre que les exportations vers la Chine sont 400 fois plus importantes aujourd'hui qu'il y a 20 ans et qu'elles ont connu une croissance régulière depuis la pandémie. Selon les derniers chiffres, nous avons près de 50 000 tonnes exportées d'Espagne vers la Chine. Nous avons augmenté en volume de 6% par rapport à 2021 en 2022. L'Organisation des huiles d'olive d'Espagne a indiqué que les exportations vers la Chine ne pouvaient pas augmenter de manière significative cette année en raison de la réduction de la production dans le monde. Mais elle essaiera au moins de maintenir le même niveau d'exportation vers ce marché à croissance rapide.
toute façon, c'est l'agression russe en Ukraine qui provoque un besoin de sécurité de la plupart des partenaires de l'Europe continentale. Bon, la neutralité, ça doit aussi faire réfléchir et les commentateurs et les autorités russes pour que des pays qui ont toujours choisi une prudente neutralité depuis tant de décennies décident de rompre avec cette neutralité, c'est bel et bien qu'il y a une peur. С панцежем реактивным 3,65 maximum speed 70 км per hour on paved road 50 км per hour off road. Wir brauchen eine laufende Produktion von wichtigen Waffen, Geräten und Munition. Das erfordert langfristige Verträge und Marseille, j'ai l'impression qu'on a fait le sujet l'année passée, j'ai l'impression qu'on fera le sujet l'année prochaine, que rien ne changera puisque les mêmes causes produisent les mêmes effets. Vous le savez sans doute, la nuit dernière a été meurtrière à Marseille, 3 fusillades différentes ont fait 3 morts. Mais comme évidemment on sanctionne peu les dealers et que les peines de prison sont légères et qu'on ne se donne pas la volonté politique, parce que les moyens c'est autre chose, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Regardez le sujet de Corentin Brio. Stop aux assassinats. C'est l'un des messages portés lors de ce rassemblement, après une nuit de nouveau mortelle. Des femmes membres d'un collectif se rassemblaient de manière spontanée, mais symbolique à Marseille. En colère, elles défilent sous les balcons des immeubles et appellent à ce qu'on les rejoigne. Ce qu'il y a derrière moi, c'est le cercueil de Ramsès II. C'est le cercueil du plus grand de tous les rois et qui a traversé quelque chose comme plus de 3000 ans jusqu'à nous. De très longue date entre la France et l'Égypte, une coopération scientifique, une coopération patrimoniale, archéologique, de très longue date, qui a permis ces liens qui aujourd'hui font qu'il y a la confiance nécessaire pour que ce prêt soit fait à la France. Dans un monde qui bouge tout le temps, quoi. Et ça, il y a une impression comme ça d'équilibre, d'immuabilité, de stabilité, de tranquillité, je sais pas. Puis c'est beau, quoi. Puis ça a des milliers d'années. Enfin, moi, je vous avouerai, j'ai des frissons, alors que je devrais être habitué.